Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Des semaines après l'incroyable cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, une prestation continue de faire polémique, celle de Philippe Catherine en Dioniso. Ce vendredi 6 septembre, Daphné Burki, commentatrice et styliste bénévole de l'événement, était invitée sur le plateau de Quotidien pour revenir sur cette performance critiquée, faisant quelques révélations croustillantes sur les coulisses. L'édition des JO de Paris 2024 restera gravée dans les mémoires. Organisée par Thomas Joly, cette cérémonie a ébloui le monde entier avec des performances de Lady Gaga, Aya Nakamura et Céline Dion. Cependant, la prestation de Philippe Catherine, déguisée en Dioniso et presque nue, a suscité l'indignation de nombreux téléspectateurs, notamment aux États-Unis. Certains y ont vu une parodie de la scène, le célèbre tableau représentant le dernier repas de Jésus. Face à la polémique, l'artiste s'est publiquement excusé, « Je demande pardon si j'ai offensé », a-t-il déclaré sur CNN France. Daphné Burki dévoile un changement de dernière minute. Sur le plateau de Quotidien, Daphné Burki a révélé que la séquence de Philippe Catherine aurait dû être bien différente. Initialement, il devait porter une toge. « Je vous le promets, il devait avoir une toge », a expliqué Daphné. Mais c'est finalement vêtu d'un simple slip que l'artiste est apparu à l'écran. Philippe Catherine avait même proposé un body painting en forme de colombe, idée rapidement rejetée par Daphné. Pour les besoins de la séquence, Philippe Catherine a accepté de se faire épiler pour la première fois, une expérience mémorable qu'a partagée Daphné. Je lui ai donné le numéro de madame qui m'épile, et il est allé se faire épiler. Le lendemain, il était tout rouge, a-t-elle confié en riant. Une anecdote amusante qui montre que la préparation de cette cérémonie a réservé bien des surprises. Malgré ces détails amusants, la polémique entourant la performance de Philippe Catherine persiste. Cependant, Daphné Burki a tenu à rappeler que l'intention de la scène n'était pas de choquer, mais plutôt de proposer un spectacle audacieux et artistique.